Bienvenue en Inde, une nouvelle aventure commence. Je vous avais dit que vous allez voyager ce mois-ci. Aujourd'hui, c'est deux nuits avec Monsieur Hugo Vumous. On est à Calcutta. Pour commencer l'épisode, Hugo, comme toujours, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, Hugo Vumous, j'ai 27 ans. Je vis en Inde depuis 4 ans et demi maintenant. Et je joue au foot dans le club de l'ATK à Mohun Bagan. On se retrouve là dans la ville de Calcutta, avec notamment derrière moi un très beau monument qu'on appelle le Victoria Memorial. Vestiges de la colonie britannique ici jusqu'en 1947. Il est féru d'histoire, messieurs, dames. Il s'y connaît, je peux vous le dire. D'ailleurs, on dit Calcutta, maintenant on dit Kolkata. Kolkata, c'est J'ai ça. Vu que c'était depuis les années 2000. Ouais. Bon, en fait, ils ont changé phonétiquement pour que ce soit plus simple ça, à prononcer. Exactement. Comme mais c'est pour Mumbai, qu'on appelait Bombay autrefois. Suivons le guide. Nous sommes en Inde, le pays. L'un des pays les plus peuplés au monde, avec la Chine, 1,4 milliard d'habitants. Dans chaque état se trouve une culture, une langue, des traditions, des religions différentes. Alors il y a combien de langues officielles? En Inde, il y a exactement 22 langues officielles qui sont reconnues. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 22 états et dans chaque état, il y a du coup une langue qui est officielle, en plus de l'hindi et de l'anglais. Pas trop filmé à l'intérieur parce qu'on n'avait pas le droit. Sans vous mentir, le bâtiment est magnifique, mais alors l'intérieur il est un peu vide. Ils ont collé 2-3 photos au mur, ouais. De peinture. Pas très fourni. Hein. Ouais, ils se sont pas foulés. Hein. Un peu déçus. C'est pas le musée du Louvre. Pas le musée du Louvre. Sport numéro 1, et vraiment l'unique sport vraiment démocratique dans ce pays, c'est le cricket. Ouais. L'Indian Super League a été créée il y a maintenant 8 ans. Voilà. Donc c'est votre championnat, l'Indian Super League. Voilà, c'est un championnat un peu sous forme de franchise comme on peut retrouver aux États-Unis ou en Australie par exemple. On est bien au bord de l'eau là. C'est agréable là quand même. Ouais, franchement. Et tu vois, il y a beaucoup moins de monde que ce que je pensais. Ouais, y a pas grand monde, ça va. L'entrée est payante. L'entrée est payante. Puisqu'on est en Inde, qu'on est à Calcutta, rentrons dans le vif du sujet. Tu as dit que ça faisait quoi, 4 ans et demi que tu étais là? Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. Pourquoi est-ce que tu es venu? Est-ce que tu te souviens de la première fois quand on t'a parlé de l'Inde? Quelle était ta réaction? Il faut savoir que juste avant de rejoindre l'Inde, j'effectue une année et demie dans le championnat marocain, Botola. Où ça? À Tétouan exactement, alors que j'étais très jeune, à cet âge-là, 21 ans. Et du coup, j'avais pu suivre quand même un peu le lancement de ce championnat. Citer les Français, Anelka, Trezeguet, Pires, etc. Mais Malouda, il était venu pas là. Malouda, exactement. Et l'entraîneur que j'avais eu au Maroc était venu ici en Inde, à Goa, quelques mois auparavant. Et du coup, bon, j'arrivais un peu en fin de cycle au Maroc. Qui était cet entraîneur? Sergio Lobera. Sergio Lobera, entraîneur espagnol formé à la Masia. Du coup, je cherchais un nouveau projet à ce moment-là. J'avais la possibilité d'aller en D1 roumaine, de rentrer en France en national à ce moment-là, ou de venir en Inde. Et j'avais pu suivre un peu du coup les résultats de l'équipe qui me voulait à ce moment-là. Du coup, c'était le FC Goa. Et bon, il y avait des moyens qui étaient considérables lorsqu'on compare à certains autres championnats. Et j'ai pas hésité. Je me suis dit, bon, malgré le fait que j'ai 22 ans, ça peut être une bonne expérience. J'aime voyager, découvrir le monde, je suis ouvert aux autres cultures, etc. Quand t'arrives, les premiers pas, les premiers souvenirs, c'est quoi? Ouais, bah pour te dire, je suis transféré du coup au Mercato en janvier. J'arrive vraiment sur les dernières heures du Mercato. J'arrive en Inde, à l'hôtel directement, équipe en mise au vert. Dès le lendemain, premier match. Ah oui. Premier match, je joue 5 minutes. Et bon, on gagne pas, on fait un match nul. C'était à domicile à Goa, dans un stade plein à craquer avec une ambiance exceptionnelle. L'hôtel dans lequel je me retrouve la veille du match, au bord de la mer, dans un cadre idyllique. Et franchement, je kiffe. Allez-y, suivez-moi. Je vous emmène un peu dans le folklore local
tout ouest de Bengale. On va découvrir des petites rues du centre-ville de Calcutta. Ça, c'est Hugo sur son trône quand il a été élu meilleur joueur du championnat. Ils lui ont fait une statue. C'est vrai que tu as été élu meilleur joueur. Hein. Exactement, en 2020, lorsqu'on a remporté le championnat avec Goa, du coup. Ouais. Ensuite, j'ai pris la direction de Mumbai City, très bon club, très bien structuré, qui avait été racheté à ce moment-là, justement, par le City Football Group. C'est parti, à l'aventure. Il y a déjà au moins 10 personnes qui demandent des photos. Non pas parce que c'est une star de la ville, ouais, mais parce que on est un peu différent, je crois. Et ça se voit. Comment on traverse? On jette sur la route ou... Il nous fasse. Non, je rigole, on risque sa vie. Y a pas de petits singes et tout là? Ils sont où? Voilà, on est en pleine ville, en pleine pollution. Ouais. En plein milieu urbain. Ah, on retente la traversée. Klaxon, sport national. Ah oui, y a c'est pas vraiment de la ville de Kolkata. De quoi? Au niveau des klaxons, c'est ah ouais. Dans d'autres villes, c'est pas autant que ça. Ils aiment ça. Ils adorent ça. Les taxis jaunes aussi. Taxis jaunes. Autre vestige de l'Empire britannique. Les taxis jaunes. Ah, c'est bien, ça fait vraiment la jungle en plus. Hein. T'es en plein centre-ville et... Regarde l'immeuble. Les immeubles sont magnifiques en plus. Ça se voit qu'ils étaient magnifiques en tout cas. Parce que c'est complètement... ça tombe en décrépitude. Tu veux pas une petite coupe de cheveux là, Hugo? Attends, avec plaisir, malheureusement j'ai fait ça il y a deux jours. On verra la semaine prochaine. C'est ça. Regarde, en plus c'est le coiffeur est en pleine agression sur son client. Est-ce que tu as pris le temps à chaque fois de visiter l'endroit où tu étais? Ouais complètement. Bah, surtout à Goa, où j'ai quand même été un certain temps. Où je m'y suis fait beaucoup d'amis en dehors du foot. Malheureusement, ces deux dernières années, les deux dernières saisons qui ont précédé, on était en bulle sanitaire. À aucun moment, on pouvait sortir de l'hôtel durant la saison, ce qui a rendu vraiment les choses très très compliquées. Même mentalement, ça doit être très dur. Ouais, mentalement, franchement, fallait avoir les nerfs solides. Hein. Pour être honnête, c'était très très dur. Bon, j'ai la chance d'avoir été dans des équipes qui tournaient plutôt bien. Tu veux pas manger un petit truc, Hugo? On repassera demain. Juste avant le match. Je ne me risquerai pas. Non, franchement, faut être habitué. C'est risqué, enfin, surtout 48 heures avant le match. Ouais. Je ne peux pas te cacher. Je ne me suis pas encore frotté aux joutes de la street food indienne. Petit joueur, va. C'est ça. Starbucks. Ah. Avant d'aller à l'entraînement. On ne perd pas le nord. Bon bah finalement on a appris à emporter hein. Faut pas arriver en retard à l'entraînement sinon c'est amende. Hein. Ah ouais? Strict, ouais. Amende de combien? Ouais, c'est pas... ça peut être très cher. Mais amende. Amende. On va prendre un taxi jour. Comment un taxi? En route. Y a pas la clim dans ce taxi. Tiens, regarde, elle est là. Ah ouais. Elle ne marche pas. Allez. Là on est vraiment... le folklore local, comme dirait un certain Romain Molina. Qu'on salue. Allez, en route, par contre, il faut bien qu'il démarre. Vraiment, ça, c'est des voitures des années 80. Parce que normalement, tu vas à l'entraînement avec les autres étrangers de l'hôtel. Voilà, qu'on le verra après, mais vous êtes logés à l'hôtel. On est tous logés à l'hôtel. En effet, on a des chauffeurs, on a deux chauffeurs pour les étrangers de l'équipe qui nous emmènent à l'entraînement. On peut utiliser ah ouais, pour sortir. Je savais pas, ok. Ouais. Je pensais que c'était toi qui conduisais. Ah non. Et tu sais, figure-toi que à Goa, ma dernière année à Goa, j'avais une voiture. Ouais. Ma propre voiture. Petite complexité ici, on conduit à droite. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, comme en Angleterre. Mais ma voiture, ça allait à Goa. Après, Goa, c'est plus touristique, il y a moins de monde, etc. C'est pas grande ville ici. C'est la galère, agréable ça. De conduire ici. Donc, non.
4 à 3 qu'on devrait être là-bas et éviter la grosse amende. Après, tu peux lui dire qu'il a le droit de dépasser les 35 km/h. Malheureusement, techniquement, je pense qu'on est en train d'atteindre les limites là, du bolide. Là, une petite salle de gym, des petits joueurs. On arrête sur terrain. Terrain d'entraînement. Terrain d'entraînement, du coup, pas mal. Pas mal du tout, hein. La qualité de la pelouse. Quel est le nom du club, rappelle-nous, ATK Moonbagan, club créé en 1889, donc club très historique, qui a presque 130 ans, plus de 130 ans. Un des clubs avec la plus grosse histoire, plus gros palmarès ici en Inde, mais aussi en Asie. On fait partie des meilleures équipes en Indian Super League. On est du coup 6 étrangers par équipe, c'est le quota. Il y a le droit à 4 joueurs sur le terrain, 6 dans l'effectif. Et du coup, dans notre équipe, on a 2 Australiens, d'accord, un Finlandais et un Irlandais. Le niveau des Indiens, c'est toujours pas très élevé. Il y a toujours un certain gap entre les Indiens et les étrangers, même si tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait une nouvelle... Voilà, une nouvelle émergence, un nouveau talent indien, etc. qui arrivait. Il y a toujours quand même un très gros écart de niveau entre les joueurs européens et indiens. Qu'est-ce que tu veux nous présenter là ? Liston Kolako. Liston ? Ouais, okay. Liston Kolako, un des meilleurs joueurs du championnat indien. One of the best players in the Indian Super League. I'm 23 years old. Il a fait une super saison l'année dernière. Il joue en équipe nationale. Je pense qu'on va lui poser sa question préférée. Who is your favorite football player ? Ronaldo. Et croyez-moi, il a la même frappe que CR7. Il a de très bonnes qualités. C'est le joueur indien le plus talentueux, mais bon, il doit encore progresser sur certaines notions au niveau de l'intelligence de jeu et de la tactique. On va attaquer, on va toucher un peu la balle. T'aimes toujours jouer ? J'adore le football. Tous les jours. Tous les jours, c'est un plaisir de venir à l'entraînement avec la dalle, même si c'est pas forcément toujours agréable ce qu'on fait, tactique, trucs comme ça. On a évoqué ton nom, il est là. Regardez-le. Mais que fait-il en Inde ? On le quitte à Tours, on le retrouve en Inde. Et ouais, je viens jouer au foot. Hein. C'est ma passion, c'est tout ce que j'aime. On prend du plaisir comme on peut. Et Inch'Allah, on verra la suite. Hein. Les conditions sont très bonnes ici. Hein. Franchement, pas mal. Hein. L'humidité un peu relou, mais on s'y fait peu à peu. Mais là, c'est à lui de voir comment ça se passe. À découvre. À tout de suite, les gars. Florentin Pogba, les amis. Donc là, c'est les tribunes. Comme dit Hugo, le club jouait ici avant, donc il y a des tribunes. La nuit tombe très vite, hein, il est 17h. Regardez le temps qu'il fait. La couleur du ciel à 17h. Il fait toujours chaud et là, par contre, c'est un peu plus étouffant. Calcutta, comme on le disait peut-être au début, c'est la troisième plus grosse ville d'Inde en termes d'habitants, puisqu'il y a 14 millions d'habitants. Ah, je vais aller faire un petit massage. Et là, il va falloir récupérer de manière optimale jusqu'à samedi. Il reste 48 heures avant le match. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que les conditions en Inde, elles sont assez particulières au niveau climatique. Il fait chaud, c'est humide, c'est très humide. On a un médecin, 2 kinés et 2 masseurs. D'accord. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est le top. Il y a rien à dire. Ce qu'il faut. Parce qu'il y a une blessure directe, il y a un partenariat avec une clinique pour aller effectuer des IRM, scanner. Regardez-le. Le papy Pogba en forme. Tu connais. T'as dit quoi là? Le papy. Non, refais là. Le genou. Le genou. Oh, merci. Comment ça s'est fait que tu sois arrivé là? Est-ce qu'il fait qu'il y ait un autre Français? Ça t'a fait venir ou pas du tout? Toujours le soutien d'une French Connection, c'est important. Surtout quand tu arrives à l'étranger, c'est pas facile. T'es loin de ta famille, tes amis. Donc Hugo était là, il m'a facilité la tâche. Je le remercie. Et après, mon arrivée en Inde, ça s'est fait. Franchement, c'était vraiment pas prévu. Mais dans le foot, il y a des choses qui arrivent, qui sont imprévues. Ça fait partie. J'ai accepté parce que je voulais déjà tester une autre aventure. Ouais. Avoir un autre challenge dans ma carrière. On m'appelle souvent l'aventurier, donc les conditions étaient réunies. Je suis très déçu et très surpris. Où est la musique? J'entends rien. On est en salle de soins. On va aller dans le vestiaire. S'il me suit, il va voir. Ici.
Ah, il y a que y a... C'est toi qui as ramené l'enceinte pour de vrai ou pas? Bah oui, c'est... Quelle question. Logique, en fait. Ah oui, on vole les claquettes. Pris en flagrant délit. Obligé. Hein, on vole les claquettes du capitaine en plus? Non, c'est pas le capitaine là. Bon bye bye. Allez, on rentre. Oh là là, on rentre à l'hôtel. On rentre avec le chauffeur. C'est tout le temps le même? Quoi? Non, ça change de temps en temps. Une 15-20 minutes à, de route pour rentrer à la maison. Nous vivons à l'hôtel. Je vais vous présenter l'endroit où on vit. Dans un hôtel à Kolkata. Très bel hôtel. JW Marriott. Allez-y, suivez-moi. Je vous laisse découvrir en image l'hôtel. Ce qui est impressionnant, c'est un peu ce décalage de venir en Inde, mais en fait, vous êtes logé. Quand souvent on dit quand les joueurs ne trouvent pas d'appartement, on les met à l'hôtel. Mmh. À toi, c'est ton cas. Sauf que ils veulent pas vous prendre d'appartement, c'est ça? Ouais, aussi, c'est, je pense, pour des questions de sécurité. Je vois pas vraiment le propos. Magnifique l'hôtel. Hein. Avec tous les services à disposition, ah ouais. Que ce soit la bouffe, que ce soit le. Voilà, la concierge quoi, qui fait tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça exactement. Oui, ça, tu viens jouer en Inde, mais les conditions de vie sont quand même incroyables. C'est sûr qu'il y a un gros contraste lorsqu'on regarde par la fenêtre. Oui, c'est absolument majestueux. Donc forcément, vous doutez bien qu'il ne peut pas m'accueillir dans sa chambre, parce qu'il n'y a qu'un lit. Mais du coup, j'ai pris une chambre à côté, j'en profite. Je vis également. Cette vie de footballeur à l'étranger, j'en profite, c'est absolument somptueux. Eh bien, messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue dans ma suite. C'est incroyable, je n'en reviens pas. Alors, la penderie qui s'allume, le mini-bar, la suite présidentielle. Et nous arrivons dans la salle de bain qui est aussi grande que la chambre. Hop. Coucou, messieurs, dames, les toilettes avec le téléphone. Et oui. Parce que si on fait un petit malaise... Allô, ouvrons les rideaux, baignoire, avec vue. Je suis tout propre, j'ai mis mon petit col roulé. Pour aller manger, très important, le smecta, la boîte est toujours fermée. J'espère qu'elle le restera. J'ai pris des petites madeleines parce que Florentin m'a demandé de lui en ramener. C'est le petit inconvénient de vivre à l'hôtel. On n'a pas toujours notre intimité. Et... Ça arrive fréquemment qu'on puisse se faire un peu déranger comme ça durant nos repas par certaines personnes qui sont de passage et qui sont fans de supporters de l'équipe. Qu'est-ce que tu me conseilles? Parce qu'il y a de tout, hein. On va aller ensemble, mais c'est quoi le petit plus? Alors l'Inde, culinairement, c'est incroyable et je pèse mes mots. Allez, on va partir sur une petite spécialité street food qu'ils font ici. Ça s'appelle le Dahi Puri. Là, nous avons les desserts ici. Les chefs cuisiniers font ce qu'on veut. Ensuite, il y a toute une table avec les entrées. Tout au fond, c'est les plats, les spécialités. On va se régaler. Dal Makhani. C'est des lentilles, en fait. Et c'est souvent associé à du riz. C'est okay. Très bon. C'est un petit peu relevé, mais très goûtu sur la langue. Un autre type de dal. Un autre type de dal. Le yellow dal. Parce qu'il est jaune. On se retrouve avec la petite spécialité dont j'ai parlé auparavant, le Dahi Puri. C'est vrai qu'on sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est super bon. C'est l'heure des cadeaux. Mais c'est pas qu'il y a des cadeaux, ce qui regarde pas mes épisodes. C'est l'heure des cadeaux. On va donner le cadeau à Florentin déjà. Eh oui, bien bon l'artiste. C'est carré dans la... C'est un cul. Et en plus, c'est sorti long terme. Il a progressé de ouf quand même. On peut savoir pourquoi tu voulais absolument des madeleines? Madeleines, j'ai commencé avec. Je me suis tellement bien senti dans ma peau que j'ai dit les madeleines jusqu'à la fin. Il y a aussi Salvitin. Le poteau, il a mis du violet sur du orange. Hein? Allez, on verra la suite. T'es sur l'autoroute A7, tu vas où? Autour du soleil, je vais à Montpellier, direction Juvignac. Ah oui, c'est maintenant, ça commence. Je veux dire qu'il y a victoire déjà. Ah oui. Memphis. Excuse-moi, je me mets pour. Parce que comme j'ai gagné, je fais regarder. Ah non, je t'en prie. Tu peux jouer encore. Hein, t'inquiète. Pour la dernière place. Bon, il a gagné deux fois quand même. Bon, on a fini de jouer. Je vais chercher les cadeaux. Je suis venu avec deux cadeaux. Je te remercie pour. Avec grand plaisir.
Eh hey, la classe. C'est mon partenaire design qui fait ça. C'était à quel moment ça du coup? Fin de la saison 2020-2021 avec Mumbai City et les deux trophées qu'on avait remportés. La saison régulière d'Indian Super League et le trophée de champion des playoffs. Très bonne idée, très beau cadeau. Et le deuxième, il est où? Le deuxième, on est content. Livre. Moi qui ne lis pas. Ah, là tu m'as régalé. Géopolitique. Ah là, bah oui, là je suis obligé de le lire. Pour l'explication, tu connais peut-être, c'est Kevin Vessière qui a écrit son deuxième livre, qui est connu sur Twitter sous le nom de FC Geopolitics, et qui raconte des histoires mêlant foot et géopolitique. Et donc c'est son deuxième livre. Et tu peux même ouvrir, je crois qu'il y a une petite dédicace, il a dû t'écrire un petit mot. En effet, pour Hugo, passionné de géopolitique et qui fait vivre le football français en Inde. Eh bien, merci Kevin, merci énormément. Parce que toi, t'es passionné de géopolitique, c'est ça? C'est vraiment l'actualité, la géopolitique à travers le monde, etc. J'aime beaucoup suivre ce compte d'ailleurs. Tu pouvais pas mieux trouver. Bah, honnêtement, franchement, c'est incroyable. Lorient a tapé dans le lit. C'est vrai, là, franchement, je suis content. J'aurais pu tous vous emmener avec moi dans le lit, tellement il est grand. J'espère que vous allez bien dormir. J'espère que vous allez passer une très belle nuit. Moi, je vous dis à demain. Faites de beaux rêves. Coucou, jour numéro 2. Aujourd'hui, jour spécial, puisque c'est le grand derby tant attendu, un des plus gros derbys d'Inde, voire dans le monde entier. Laetitia Mohunbagan qui affronte l'East Bengal, deux clubs du Bengal. Le stade est à guichet fermé. Il m'a promis une ambiance de folie. Hein. On va y aller, mais juste avant ça, puisqu'évidemment, il faut que je passe la journée, puisque c'est le soir, je vais aller me promener au jardin botanique. Chose sérieuse commence, on se concentre, hein. Là c'est parti, gros match, on y va. On y va en voiture officielle, le club envoie des voitures pour les familles, donc ils viennent nous chercher à l'hôtel directement, on a juste à s'installer, et hop, on est déposé, ah c'est cette voiture, on est déposé, voilà, allez hop, on nous ouvre la portière, on y va, c'est parti. Oh, là, tu fais toujours des caméras. Bah, je m'attendais pas à ça, le stade est absolument immense. C'est incroyable le monde qu'il y a. Flo Pogba ici. Et Hugo, il est où? Ah, il est là. Donc là, vous avez les fans de l'East Bengal. Et là, les fans de Laetitia. Le match est décalé de 20 minutes. En tout cas, le stade est très impressionnant. Bon, en attendant le coup d'envoi, je pense qu'il y a un gars qui est en train de s'amuser sur l'ordi là. La mi-temps 0-0, match assez disputé. Hugo a eu deux grosses actions. Il est trop fort Hugo. On a cherché le club de Ligue 1. Écoutez-moi, il joue facilement. C'est un bon club de Ligue 1, mais facilement. Match assez disputé avec un arbitrage catastrophique. Et un latéral droit, je pense que je suis bien meilleur que lui. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, c'est ça, on a le droit à la mi-temps. Et je peux vous dire, je ne sens plus ma langue ni ma bouche. Oh!
rendez-vous compte, hein, 62 000 spectateurs, 62 000. C'est incroyable. Victoire 2-0. Voilà, belle soirée qu'on va passer. Tour d'honneur comme une rockstar, incroyable. Hugo, Hugo, Hugo. The Hero of the Match Award is up next. It goes to the standout player on the pitch. And I would like to invite Hugo Boumou to pick up the Hero of the Match check. L'homme du match, monsieur Hugo Boumou. C'est bien fait de venir. Je veux pas faire une dédicace de nuit avec là. Vraiment, il est très très fort. Surprise. Trop fort. Il est trop fort. Je suis KO. Tu sais ce que tu as mérité, hein? Dis-moi. Tu as mérité des petits bonbons. Ouais. Non, mais. Ah, mais non, on va manger avant. On va manger avant. 62 000 personnes, t'as vu? Il y a un bel engouement, ah, beau ouais. Derby. Est-ce qu'on peut juste souligner l'arbitrage catastrophique? Et bah, figure-toi. Non, c'est pas. Que, bon, catastrophique. Mais c'est 10 fois mieux que. Que l'année dernière, que les saisons précédentes, parce que les saisons précédentes, dès qu'il y avait un contact, le mec n'hésitait pas à siffler. C'est-à-dire, le jeu était en saccadé et bah, ça jouait pas, tu vois. Là, au moins, il laisse jouer le mec. Bon, après, les décisions, c'est sûr. Il est arrivé par le passé qu'il fasse appel à des arbitres étrangers. Ah ouais? Parce que, ouais, parce que tu vois que les arbitres indiens, ils ont pas la formation, ils ont pas le niveau, ils ont pas le physique pour arbitrer un match professionnel, tu vois. Man of the match. Pour te récompenser ta bonne entrée. Ouais, franchement, c'était pas mal. J'aurais espéré plus de temps de jeu, mais Mahalish, on a gagné, c'est le plus important, clean sheet, avec une petite main de la récompense. Bon état d'esprit. Toujours, on est professionnel. Voilà, après le match, hein. Ah, on va manger un bon petit burger, délicieux. Il est bien. Bon, c'est la fin de soirée. Après tous ces jeux, tous ces amusements, on va aller se coucher parce qu'il est un peu tard. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur ton précédent passage, puisque tu as joué au Mumbai FC. Ah, Mumbai City FC. Et justement, il y a le mot City, parce que ça fait partie du City Group. Donc il y a Melbourne, il y a Yokohama. Tu as Troyes, tu as Gérone, New York City, etc. Bref, il y a plein de clubs filiales. Et quand tu signes là-bas, est-ce que tu as dans cette idée de te dire, ça fait partie du même groupe, il y a peut-être des passerelles? Est-ce que le club t'en parle ou pas? En effet, je sors de la saison où on est champion avec Goa. Soit je rentrais en Europe, parce que je venais de finir meilleur joueur du championnat. J'avais 24 ans, j'avais quelques opportunités. Mais en parallèle, l'offre la plus concrète, celle que j'ai jugée la plus intéressante, au final, c'était celle de Mumbai City. L'accord, c'était de signer dans un premier temps à Mumbai, de faire une année et derrière de bifurquer sur un autre club du City Football Group. Club qui était cité, c'était New York City en MLS. C'était Troyes qui était en Ligue 2 à cette époque et c'était Melbourne. J'étais méfiant, je me disais ouais, pas forcément de garantie, surtout que c'était pas possible au niveau juridique de garantir cela dans un contrat, etc. Donc c'était que oral en fait. Voilà, c'était oral. Après, il y a le CEO du club de Mumbai qui était un Britannique également qui a mis sa parole. Il y a l'entraîneur que je venais d'avoir à Goa qui avait mis sa parole aussi à propos de cela. Du coup, saison assez particulière parce qu'elle jouait en bulle sanitaire, ce qui nous a pas empêché de gagner la Ligue, de gagner la saison régulière. Et les playoffs. Disons qu'il y a eu 2-3 petits malentendus au cours de la saison. C'était quoi comme malentendu? Bah, les malentendus, c'était que j'avais que ça en tête et que je m'y projetais un peu vite et que je pressais un peu les dirigeants, mes interlocuteurs à ce sujet-là pour mettre les choses en place. À la fin, j'ai compris que ça ne se réaliserait pas. Pourquoi? Je saurais sûrement pas. Jamais la vérité, je veux dire. Si, ils m'ont proposé le projet en Australie, sur lequel je n'étais pas du tout emballé
sachant que voilà, ce à quoi je m'attendais, c'était plutôt la MLS ou un retour en Europe. Moi, à ce moment-là, il me restait une année de contrat avec mon bail. C'était hors de question que je reste dans ces conditions, dans le sens où je me sentais trahi. Disons que c'est une déception de plus, parce que j'ai quand même eu énormément de déceptions plus jeune. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah écoute, on va aller chez l'équipe concurrente. Au moins, c'est une leçon. Et je pense qu'au final, j'arrive quand même à être sur une progression constante sur ces dernières années. Bah écoute, sur ces belles paroles, on va se coucher. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Salut les amis. Dernière journée, je suis trop triste. On est trop bien ici, mais dernière journée. Et la journée s'annonce pas palpitante. Ah non, pardon. Ça va? Wesh. Tu es au quoi l'ambi? C'est le programme de la journée, on va aller faire du tir à l'arc. Vamos! Ah ouais, du tandem. Le tandem, incroyable. Avant d'y aller, je voulais juste qu'on revienne quand même un peu sur ton parcours, parce qu'on l'a pas évoqué. Toi, le Rennais, qui a fait 7 années au Stade Rennais en jeune, et ensuite tu es parti à Laval, mais ça ne s'est pas forcément passé comme prévu. Est-ce qu'on peut repartir du début? Et pourquoi finalement on ne te garde pas? Je fais une année, ma première année de débutant dans un club amateur de Rennes, l'SPTT Rennes. J'ai la chance à l'époque, notre voisin est le premier professionnel marocain de l'histoire, Houssen Anafal. Du coup, il était éducateur, c'était notre voisin, ami de la famille. Il me prend sous son aile pour m'inscrire au Stade Rennais, pour faire mes premiers pas vraiment sur l'école de foot du Stade Rennais. 6, 7, 8 années de bonheur presque. Donc ça veut dire que tu as fait jusqu'au centre de préformation au Stade Rennais? C'est ça, voilà, jusqu'aux portes du centre de formation. Mais bon, dès l'âge de 12, 13 ans, on est soumis à une rude concurrence de la part des joueurs qui viennent de l'extérieur, des joueurs qui sont déjà recrutés de régions parisiennes, etc. Je me rappelle à l'époque, ils n'en ont sélectionné que 9. Super expérience, à Rennes, super coach, etc. J'avais à cette époque-là mes petits soucis de comportement, d'attitude, de caractère, de bêtises, à l'école, un peu au foot, etc. Ce qui m'a joué des tours. À ce moment-là, je réalisais une très belle saison. Mais bon, ça m'a joué des tours parce que j'ai fait une conneries, pas des moindres, et ça m'a valu le fait de m'être fait indiquer la sortie de manière prématurée avant de rentrer au centre de formation à Rennes. Moment assez compliqué, bien sûr. J'étais insouciant à cette époque et j'étais sûr de moi. J'ai réussi à signer à Laval, centre de formation de Laval. J'ai tombé sur des éducateurs, des entraîneurs exceptionnel, et ils m'ont donné énormément de responsabilités sur le terrain. Fait marquant de la formation pour en sortir un, c'est l'année du 19 national où on va jusqu'en demi-finale de Gambardella, où on est éliminé contre Auxerre au pénalty. Je suis capitaine à cette époque-là, j'ai dans mes rangs des joueurs comme Nordi Mukiele qu'au PSG aujourd'hui. Il y a Serou Guirassy. Que t'as arrêté les bêtises? Ouais, non, comme je l'ai dit, je suis un peu têtu et tout. C'est juste que parfois c'est un petit peu difficile pour moi, la vie de groupe, etc., ce genre de choses. Et j'aime les règles aussi, tu vois. C'est ma personnalité. Je suis fier de ce que je suis devenu, je suis fier de moi. Pour continuer à Laval, arriver dans le monde professionnel, contrat professionnel, je vais faire 2 années en pro à Laval. Et quelques jeunes après. Cette épopée en Gambardella a intégré le groupe pro. L'équipe n'a pas forcément des résultats, de manière à être très confortable au classement et pouvoir lancer des jeunes facilement. Et pour couronner le tout, je tombe sur un entraîneur assez frileux à cette époque-là, qui était Denis Anco, et qui n'était pas forcément enclin à lancer des jeunes, à moins qu'ils aient un certain physique. À cette époque-là, lorsque je redescends le week-end en CFA, je cartonne. Bon, j'ai quand même la chance de faire quelques groupes, je rentre jamais. Je finis par jouer à la fin du championnat. Pour mon premier match, je marque au bout de 6 minutes, je fais une performance remarquable. On repart sur la deuxième saison. Je me dis qu'avec cette performance, avec ce que j'ai montré l'année auparavant, les dés sont à nouveau jetés. Et je vais avoir ma place dans la rotation. Et au final, je me rends compte que non. Et là, je commence à lâcher
petit à petit mentalement, sachant que j'ai une vie à côté du football qui est pas facile à ce moment-là. Du coup, ça se termine. Je vais faire le stage avec l'UNFP. Je fais seulement deux matchs amicaux. Les deux premiers, c'était contre Valenciennes à l'époque et Clermont. Et je vais en essai dans un club de national à Dunkerque pour 3 jours d'entraînement plus un match contre Lille le week-end. L'essai se passe magnifiquement bien, on va dire, le match amical contre Lille. Également. Du coup, l'entraîneur de Dunkerque, à ce moment-là, me dit qu'après le match, c'est bon, je peux rentrer chez moi, qu'il m'enverrait le contrat dans les 2-3 jours. Et en parallèle, juste après ça, normalement, j'avais un autre petit essai, pareil, avec un club qui était intéressé en national, et où du coup, je me dis que je vais pas y aller, ça sert à rien, parce que de toute façon, je signe à Dunkerque, et le contrat, il est jamais venu, il n'est jamais arrivé sur la table. Nouvelle de... Des illusions. Je veux dire, des illusions. Ils prendront un joueur de Lille à ma place où ils n'ont pas à payer les frais, le contrat, etc. J'ai une opportunité au Maroc en D1 marocaine. Mais du coup, je prends la décision après Laval de me diriger directement sur un club de D1 marocaine. Que se passe-t-il? Malheureusement, je viens d'apprendre que le parc où on devait aller. Plus grand parc en Inde. En Inde? Ouais, en Inde. Ouais. Elle est fermée. Ah putain, pas de tandem, pas de tir à l'arc. La déception est à son comble. Coup de massue. Va falloir improviser. What time is coming? Bon, ça date, mais le truc, c'est qu'en plus, ici, le soleil se couche assez tôt. Il se couche à 17h15. On va quand même essayer de faire autre chose. On part sur une nouvelle découverte. Oui. Moi-même, où je n'ai jamais... Voilà. Il y a toujours du bon dans le mauvais. Petite rivière, petit coucher de soleil. Après. Petit tour en barque. On va essayer en tout cas. Quoi? Ah, il y a le train. Il y a même des gens qui marchent là-bas. Ouais. Ils sont là, les bateaux, regardez-les. Mais on ne trouve pas l'entrée. Oui, on fait la queue, on a beau être meilleur joueur du championnat, on fait la queue. Y'a pas de passe droit? Visiblement, y'en a pas. Et oui, on est malin ici, on se divise en groupe. Je suis allé à un autre endroit où il n'y a pas de queue, il n'y a personne, il y a plein de bateaux. Allez Hugo, accélère, je t'attends. On me double, calmez-vous. Let's go. Allez marin. Marin d'eau douce. Regarde comme on est beau. Le bateau est pas mal. Hein. Bon, c'est un petit tour, on va pas se mentir. Ouais. C'est pas très long, ça va pas très loin, mais ça fait du bien. Ouais. Parlons du Maroc, où t'as pu connaître des désagréments, des aventures, des rebondissements. Et là, tu arrives à Tétouane, c'est ça? Ouais. Là-bas, ça aura pas forcément été facile. Ouais. Ça a été une étape assez difficile. J'ai rencontré beaucoup de problématiques. Ça aura duré une année et demie. Je suis arrivé quand même dans un championnat qui était assez compétitif. Un championnat très difficile, physiquement, athlétiquement, tactiquement. Très peu de jeunes évoluent. J'ai eu la chance là-bas à Tétouane, c'était du coup dans le nord du Maroc, sur la côte méditerranéenne, à proximité de Tanger, qui est une très belle ville. Et où il faisait du coup très très bon vivre. La plage, une belle plage, une belle mer méditerranée. C'est super et en plus on est juste à côté de l'Espagne. Il y a cette enclave Ceuta où j'allais peut-être une à deux fois par semaine y ressourcer un peu, retrouver un peu le goût de la vie européenne. Après quelques jours, le club m'indique d'aller à la banque avec lesquelles ils travaillent pour aller ouvrir un compte en banque. Classique jusque-là. Voilà, classique jusque-là. Et du coup, j'arrive dans cette fameuse banque et je vois dans cette banque, assis, debout, une quinzaine de mes coéquipiers. Et c'est bizarre, c'est des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière. Eux aussi viennent ouvrir un nouveau compte en banque, je ne pense pas. Et je leur demande ce qu'ils sont venus faire. Et en fait, ils étaient venus réclamer leur dû, leur salaire. Et de l'année passée. Voilà, c'est ça. C'était un peu venu quémander
leur argent, ce qui est quelque chose de, pour nous, Européens, Français, complètement absurde. À ce moment-là, je me dis, ouais, ça va être chaud. Et ben, je me suis pas trompé, car ça a été très dur à ce niveau-là, notamment. Donc, on parle de retard de salaire, niveau administratif, l'anarchie. Est-ce que tu as été payé de tes 1 an et demi de contrat ou pas ? J'ai été payé une certaine partie. Donc dès le début, dès les premières sommes, j'ai vu qu'ils voulaient jouer avec moi, sûrement me tester, etc. Et ils comptaient finalement pas forcément me les payer et respecter les délais. Du coup, dès le début, j'ai dû me retrouver sur le premier match du championnat. J'ai dû me retrouver à menacer. Menacer est un bien grand mot, mais disons faire du chantage auprès du président du club et lui dire que je ne jouerai pas le premier match de championnat si les premières sommes qui m'étaient dues n'étaient pas versées. Elles ont été versées. Et lorsque ton mental est pollué à cause de ce genre de choses, ça ne te facilite pas les choses. Je ne prends plus de plaisir. La condition pour rompre le contrat est de renoncer aux arriérés de la part du club qui s'élevait à cette époque à plusieurs dizaines de milliers d'euros jusqu'à peut-être une centaine de milliers d'euros. Et le but, c'est de retrouver le plus rapidement possible un club au mercato de janvier, bien se préparer et trouver la meilleure opportunité possible pour la suite de ma carrière. Ah ouais, là, clairement, on profite. Parce que là, on voit les bords, mais si on tourne. Et oui, c'est ça qu'on regarde. Ah, là. Il est là, le train. Bon, on va où ? Bah là, on va. On va où ? Je sais pas où il va, Baligunj. C'est un métro qui traverse la ville, quoi. On est rentré à l'hôtel, elle a pris une petite douche, on va aller voir Hugo et on va aller conclure cet épisode. Je suis trop triste de partir, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. J'aime pas ce moment. C'est le moment des adieux. Il n'y a pas de confession, faut le dire, parce que t'as déjà beaucoup, beaucoup parlé. Exactement. Et en fait, ce à quoi tu avais pensé, ben en fait, tu l'as déjà raconté, tout simplement. Merci beaucoup, vraiment du fond du cœur, parce que j'ai vraiment apprécié. C'était très sympa d'accepter déjà que je vienne en Inde, et je pense qu'on a passé un bon moment. On a passé cool, un très bon moment, plus de 48 heures ensemble. Plus de 48 heures, parce qu'en vrai je suis resté plus longtemps. Merci à toi Florian. Avec plaisir. D'être venu, d'avoir pris le temps, la peine de venir faire un épisode à Calcutta, un épisode haut en couleur. Ah ouais, hein. Je tiens à préciser que évidemment tu... Parce que Hugo est quelqu'un de très généreux. On va les montrer. Attends, on peut les montrer, ils sont magnifiques. Il m'a offert deux maillots. Extérieur domicile. Voilà. Donc lui c'est le... Un petit maillot à domicile, collector, parce que Coupe d'Asie. Et AFC Cup. AFC Cup. C'est magnifique. On peut le voir là. Et le maillot d'Indian Super League. C'est quoi, c'est extérieur ça ? Ouais, c'est ça. En white. Duc. Comme vous pouvez le voir. Comme je dis à chaque fois, c'est certainement pas. Ça jamais. C'est un cadeau et je le garde précieusement. Merci beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.